Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une thermo, tout ce qu'il y a de plus simple, avec la particularité que sur cette thermo, il y a un indicateur de température sur le bouchon. Vous l'avez donc juste ici, un indicateur digital qui s'allume et qui s'éteint forcément. Donc là, on va dire que c'est un petit peu à température ambiante. Donc on va faire de suite le test pour bien montrer que l'afficheur digital fonctionne correctement. Déjà, surtout, c'est important. Et c'est vraiment très pratique parce que ça va mesurer la température à l'intérieur, la température du liquide à l'intérieur de la thermo. Donc là, j'ai chauffé de l'eau avec la bouilloire à 70 degrés. On va de suite faire le test pour vérifier que l'indicateur fonctionne correctement, que ça marque bien la température qui est à l'intérieur. Et ensuite, je vais essayer de le remplir. Voilà. Il est quasiment plein, à quelques millimètres. Donc là, on a l'afficheur qui est à 24 degrés. Et on va voir que rapidement, ça va monter 38, forcément, puisque la température à l'intérieur de la thermo est à 70 degrés. Alors ensuite, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est vraiment mon coup de cœur sur les achats d'AliExpress. Là, je l'ai acheté au mois de décembre. Alors pour faire simple, c'est arrivé en 10 jours. Allez, en 10 jours à la maison. Après, moi, j'ai eu la chance de pouvoir profiter de tarifs hyper préférentiels. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au mois de décembre, il y avait le calendrier de l'Avent et tous les jours, ils mettaient un produit en vente à 9h du matin. Et c'était un produit à 1 euro. Donc moi, j'ai touché la thermo, 1 euro. Voilà, ça monte, 52 degrés, comme on peut le constater, 54, et ça va aller jusqu'à 70. On contrôlera tout à l'heure. Donc par rapport à la contenance, on est sur du 1,5 litre. Donc 500 millilitres, j'ai pris un appareil gradué là pour effectivement vérifier qu'on est bien sur 500 millilitres. Après, vous verrez sur le magasin, vous avez le choix à plusieurs coloris, il y en a 5 en tout, on va aller voir tout à l'heure sur le magasin par rapport à ce qu'ils proposent maintenant. Alors après, c'est un produit qui maintenant coûte assez cher, c'est autour des 17 ou 18 euros. Mais après, personnellement, je l'utilise régulièrement pour le travail. Je pars le matin, je mets du thé à l'intérieur, je chauffe à 80 degrés. Le thé infusé à 80 degrés, ça dure toute la journée. Ça reste chaud vraiment très, très longtemps jusqu'au soir. Au soir, on est encore sur du 50 degrés, quoi. Donc, au bout de 10-12 heures, on est toujours à 50 degrés. Donc, très, très efficace. Après, la paroi extérieure, elle est froide. Ça chauffe pas du tout. Là, c'est monté à 59 degrés. 61, voilà, on va aller jusqu'à 70 comme ça. Après, donc, par rapport à la contenance, on va regarder effectivement de suite qu'on est bien sur du 1,5 litre. 1,5 litre, donc ça devrait arriver ici. Voilà, contenance d'1,5 litre. Donc très très bonne thermo, voilà, ceux qui connaissent peut-être la marque Simita, donc acheté sur AliExpress. On va voir de suite sur l'ordinateur qui est juste à côté le magasin sur lequel je l'ai acheté, comme on fait d'habitude, un petit tour sur le site. Donc voilà, moi c'est celui-ci, je l'avais acheté en vert, donc après même les coloris un petit peu pastel, c'est vraiment c'est assez sympathique quoi. Donc alors ça c'était le prix qui était en vente à l'époque, en mois de décembre, 16,18 €. Je vais pas mettre ma main parce que ça fait tout blanc, donc là je vais montrer avec la souris, 16,18 €. Et voilà, comme moi je vous l'avais expliqué, je l'avais touché à 1 euro, il est ici. On est sur la Simita, température, etc., 1 euro. Donc c'était vraiment très intéressant. Et maintenant, si vous allez sur le magasin, donc le magasin s'appelle Feijian Official Store. Vous retrouvez toujours le produit. Vous voyez qu'il y a quand même 831 commandes et 292 avis pour un total de 4,7 étoiles. Donc c'est-à-dire que les clients sont quand même satisfaits
de cette thermo, elle est aujourd'hui à 18,30 €. Après, c'est toujours pareil, hein, il faut attendre peut-être avant d'acheter. Il y aura peut-être un tarif préférentiel d'ici peu, en sachant que en ce moment, c'est pareil, tous les jours à 9 h, je crois, il y a plusieurs produits qui sont à prix assez discount, donc il y a peut-être moyen de le toucher moins cher. Hein. Et après, pareil, en essayant de regarder sur d'autres magasins que celui-ci pour voir si vous pouvez le trouver moins cher. Au niveau des couleurs, comme on le disait, il y a différentes couleurs. Donc là, vous l'avez en noir. Elle existe en bleu. Vous la retrouvez en verte. Donc c'est celle-là que j'avais achetée, moi. Et elle est également en rose. Et en bleu foncé. Voilà, bleu marine. Livraison gratuite. Donc, c'est voilà. Moi, je l'avais reçu en 10 jours. Hein. 10 jours, c'est arrivé à la maison. Voilà, donc si vous êtes à la recherche d'une bouteille thermo, d'une contenance relativement intéressante, parce qu'un demi-litre, ça fait quand même déjà pas trop mal, et qui est vraiment très efficace, qui fonctionne bien et qui garde bien au chaud, n'hésitez pas à prendre ce produit-là. Hein. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous servira à faire de bons achats sur AliExpress, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.